As the son of Guinean immigrants who was born in Saudi Arabia, raised in New York, and has traveled all around the world, I've always been fascinated with the concept of home. They say home is where the heart is, but what about where it used to be, where it wants to be? This led me on a journey to explore the goals, struggles, and accomplishments of African immigrants who have returned home. Season 1 takes place in one of my countries of origin, the Republic of Guinea. In 1958, Guinea was the first West African country to say no to French colonial rule, becoming totally independent from France. The country's first president, Sékou Touré, famously said, "We prefer freedom in poverty to wealth in slavery." This quote embodies the spirit of Guineans. Guinea is a mineral-rich country that has an abundance of diamonds, gold, precious metals, and contains 25% of the world's bauxite reserves. The opportunities are endless. Are you brave enough to come home? Fashion and precious stones go together quite nicely. While at the Noom Hotel, I got a chance to speak with Binta, a former beauty queen who relocated from Paris to work for a mining company in Conakry. Ça fait 2 ans maintenant que je vis à Conakry. Wow. Yeah. Et vous êtes venue d'où? De la France. Je suis née en France, j'ai grandi en France. Avec mes sœurs, on venait souvent en vacances à Conakry. Et moi, j'ai toujours dit que plus tard, quand je serai grande, je vivrai en Guinée, dans le pays de mes parents. Et voilà, donc j'ai réalisé mon rêve. Je suis en train de vivre mon rêve en ce moment. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé en France qui t'a vraiment motivée à oser et rentrer chez toi? Ben déjà, moi, depuis que je suis petite, comme je vous ai dit, je venais à Conakry. Je voyais le soleil, je voyais la mer, je voyais mes grands-parents. Donc j'ai toujours eu l'amour de ce pays. Et étant très jeune, au lycée, on nous a demandé de choisir une filière à l'université. Moi, j'ai choisi la communication. Mes professeurs m'ont déconseillé de faire ça. Ils ont dit, la communication, c'est un secteur qui est très, très, très bouché. Et moi, je savais très bien que je ne comptais pas le faire en France. Je savais très bien que je comptais le faire dans mon pays d'origine. Donc, je me suis engagée dans ce parcours universitaire-là. J'ai eu une maîtrise en communication et ensuite, j'ai eu une opportunité. Je suis rentrée en Guinée, tout simplement. Alors, est-ce que c'était difficile d'abandonner tout à Paris, en France, et de venir ici? Non, pas vraiment, parce que c'était mon rêve, moi. Donc, et je venais souvent, donc c'était... Je ne suis pas en terre inconnue. Je connais un peu la Guinée, même si je connaissais que Hamdallah, où je passais mes vacances. Mais je trouvais ça facile. Ah, je rentre en Guinée. Ça me paraissait... J'ai pas eu d'appréhension, j'ai pas eu de peur en particulier. Vraiment rien du tout. Je suis venue, j'ai sauté et... Et puis voilà. T'as sauté dans l'eau. Voilà, sans pression. Sans pression. Mm-hmm. Ok. Et quand tu as informé ta famille en France que tu voulais venir, quel était leur sentiment? Ben ça dépend. Elle, ma mère, elle est contente, elle est fière. Elle se dit que voilà, elle sait que ça a toujours été mon rêve. Donc pour elle, sa fille est en train de réaliser son rêve. Donc elle est contente. Mais c'est vrai que mes sœurs, elles comprennent pas mon rêve. Ouais. Genre, elles sont plutôt... tu vas aller vivre au bled, quoi. Pour elles, ça n'a pas forcément de sens. Alors que les gens, ils rêvent d'aller aux États-Unis, je ne sais pas. Et moi, je rêve de vivre en Afrique. Donc moi, pour le coup, c'est... Donc il y en a qui sont... Waouh, t'es... Tu oses, hein? T'es courageuse. Et il y en a qui sont vraiment... Ah, on t'encourage, bravo, il faut y aller, l'avenir, c'est l'Afrique. Donc il y a vraiment deux types de personnes. Mais dans l'ensemble, c'est très positif. Les gens savent que l'avenir est en Afrique. Ici, depuis que j'habite ici maintenant, je commence à comprendre un peu le soussou. Ouais. Et les gens, ils m'appellent Fauté. Fauté. Et moi, au début, je ne comprenais pas. Fauté, voilà, ils font Fauté. Et au début, je ne comprenais pas. En fait, ils parlaient de moi. Donc, c'est vrai que les Guinéens me perçoivent comme la Fauté, la blanche de service. Mais dans le monde, dans la vie quotidienne, je n'ai pas vraiment de problème. Moi, quand je suis arrivée à Conakry, je n'arrivais pas à traverser. Et vous savez ce qui se passait? C'est les petits enfants, les garçons. Ils faisaient tanti. Ils me prenaient la main et ils m'aidaient à traverser. Ou sinon, lorsque je me perds dans les déplacements, ah, je veux aller là. Ce sont les gens qui me disent, viens, on va t'expliquer. Donc, vous voyez, donc il y a ça aussi. Ensuite, dans le milieu du travail, là, c'est souvent un peu compliqué. Parce que les Guinéens, les locaux, ils ont l'impression que nous, les diasporas, on vient avec
ce sentiment de supériorité, qu'on vient pour leur apprendre quelque chose, qu'on est arrogant. Donc eux, parfois, ils sont très sceptiques et ils n'ont pas une bonne image de nous-mêmes. Et c'est à nous, à ce moment-là, d'être humbles et d'essayer de leur montrer qu'on n'est pas là pour faire une guerre ou quoi que ce soit. Sauf que moi, quand je suis arrivée, je pensais que ça allait être normal, parce que je suis guinéenne, physiquement, je suis guinéenne. Je ne pensais pas que ça allait poser problème. Mais c'est vrai que dans le monde du travail, ça m'a quand même un peu fatiguée, ce côté-là. Et comme tu n'es pas là pour sauver l'Afrique... Surtout, enfin voilà, moi, quand j'étais petite, je disais, oui, je vais rentrer en Guinée, je vais sauver la Guinée. Non, c'est pas, on n'est pas des super-héros, nous, la diaspora. Il faut arrêter de sortir de cette... Enfin, d'être dans cette utopie où on pense que parce qu'on vient de France, parce qu'on a fait la Sorbonne, qu'on va sauver la Guinée. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, honnêtement, c'est la Guinée qui me sauve. Parce que comme je disais, le métier que j'ai fait dans la communication, j'aurais pas pu le faire en France. Les pays européens ou même l'Amérique, aujourd'hui, ils font face à des taux très, très, très élevés de chômage. Moi, je suis arrivée à Conakry. Je suis arrivée chef de département à 25 ans. Vous imaginez? Je sors de l'université, je suis responsable dans une agence gouvernementale. En France, ça n'aurait pas été possible. Donc, moi, pour le coup, c'est la Guinée qui me sauve. Ce n'est pas moi qui sauve la Guinée. Alors, avec toutes les qualifications que vous avez eues en France, est-ce que c'était difficile de faire la transition pour trouver de l'emploi ici? C'était facile? Non, ça a été facile. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, quand j'étais à Paris, j'ai rencontré mon futur employeur à l'ambassade de Guinée. Et on a fait un entretien. Ensuite, arrivé à Conakry, j'ai commencé à travailler avec lui. Donc, pour le coup, moi, je n'ai pas eu de problème pour trouver un travail ici à Conakry. Ça s'est fait assez, assez facilement. Donc, j'ai eu, on va dire que là, c'est même mon troisième emploi à Conakry. Wow. Ouais. J'ai eu deux emplois dans le secteur public et j'ai voulu changer, voir ce qui se passait dans le privé. Et là, maintenant, j'évolue avec une compagnie qui est là et dans le secteur des mines où c'est... C'est différent. Alors, si tu travailles dans le même domaine en France, le même poste, est-ce que tu seras payé beaucoup plus là-bas ou ici? Déjà, je n'aurais pas pu avoir le poste que j'ai là en France. Ce n'est pas possible. Donc, non, même en termes de salaire, je suis mieux ici qu'en France, honnêtement. Je suis mieux ici. Waouh. Ouais. C'est bizarre, hein? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que la Guinée me sauve. Tout le monde pense que ça va mieux ailleurs. Non, non, non. Ça va bien ailleurs, non. 100% dans tous les cadres. Non, non, non. C'est vrai que même les Guinéens, ils pensent que ça va mieux en France. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui se passent beaucoup mieux ici que ailleurs, largement. Est-ce que vous avez de l'amour pour votre pays, la Guinée? Absolument, absolument. Moi, j'adore vivre ici. Honnêtement, je suis contente. Enfin, je vis mon rêve, je suis bien. C'est pas facile tous les jours, mais globalement, je suis contente d'être ici. Et je me vois ici encore longtemps. After a great conversation with Binta, proving that it's possible to return home, find work, and make more money than you're used to, I came to pay my respects to an important figure in African history. Samori Touré is considered one of the most powerful examples of resistance to French colonial forces in West Africa. Touré is also the great-grandfather of Guinea's first president, Ahmed Sékou Touré. Check out the next episode of Momo Dione Going Home.